bien, salut tout le monde, c'est Luc de Cable et Farid. J'espère que vous y allez tous très très bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Animalia. Voilà, donc le concept a un peu évolué. Du coup, je vais laisser Jonjon tout de suite vous expliquer les nouveautés. Tout à fait. Alors, bon, comme la vidéo précédente, si Luc répond correctement à la question, bah du coup, il n'y aura pas de gagnant, mais la personne aura simplement participé. Par contre, si Luc se trompe, alors là, à la fin de la question, on tirera dans un petit bol, il y a des cadeaux à gagner. Différents cadeaux qu'on verra si Luc se trompe. Voilà, donc il y a la partie là. Et ensuite, on va tout de suite commencer en mettant toutes vos questions. Donc on rappelle le sujet de la vidéo, c'est donc les animaux marins. Jonjon a fait une sélection de questions dans vos commentaires, enfin dans les commentaires de Animalia 1. De la vidéo précédente. Je les ai pas vues et du coup je vais piocher les questions tout de suite. C'est parti. Bon alors c'est parti pour la question numéro 1. On mélange. Je ne regarde pas. T'as déjà le sourire hein. Alors lui il a ses petites réponses tranquillou. Christianis, c'est la question avec un petit 3. Ok. Il y a des petits numéros pour que lui puisse facilement trouver les réponses. Alors, combien de temps vit un bêta, un combattant? Alors, il y a environ 5 ans, environ 300 jours, ça commence déjà bien, environ 600 jours ou environ 3 ans. Je pense savoir. D'accord. À mon avis, c'est environ 3 ans. Environ 3 ans. Ouais, je pense connaître un peu le combattant et je dirais 3 ans. Après, il y a le petit truc marrant, c'est genre le combattant, c'est pas un animal marin. Il vit pas dans le... Ah bon? Non, alors le combattant, à l'état naturel, il vit environ 3 ans. Ah 3 ans. Bonne réponse, Luc. En captivité, il vit entre 3 et 5 ans, il peut aller jusqu'à 5 ans, mais la moyenne à l'état naturel, c'est 3 ans. Bon, Criffy Yannick, du coup. Eh ben, bravo. Tiens. Deuxième question. Là, il est bien. Allez. Appelle un ami à la prochaine question. C'est quoi ça? Bah si t'arrives pas à trouver, bah du coup tu peux appeler un ami. Alors il écrit, appel, alors vous voyez pas bien, appel à un ami, 30 secondes. Donc c'est à dire que c'est un joker. C'est un joker que tu peux utiliser à la prochaine question ou à celle d'après bien sûr, si tu doutes. Allez, bon bah... Allez, vas-y. Je vais tenir. Faut pas que je regarde, si je regarde après... Alors, c'est la question 12. De l'Enaï Durand, c'est ça? C'est ça. De quelle couleur est le sang d'une pieuvre? De quelle couleur est le sang d'une pieuvre? Vous jouez en même temps, hein? Moi je sais pas. Alors là? Alors, il y a rouge, ouais. Noir, bleu ou vert. Alors j'ai un petit doute. Alors il faut pas confondre avec l'encre. Ah, voilà. Là c'est... De quelle couleur est le sang d'une pieuvre? Ah bah là, le téléphone à un ami, pas de limite. Et bah, si tu veux utiliser ton joker. Bon bah, je téléphone à un ami. En direct. Oui, je sais pas. Et bon? Allez, let's go. Alors là, d'ailleurs faut que ça appelle. Ah, ça appelle. Je vais me mettre plus près. Rouge, noir, bleu, vert. Allô? Allô Alba? Oui, salut Luc. Ça va? Oui, ça va, toi? Ouais, alors écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je suis en plein tournage vidéo, j'ai une question à te poser, j'ai 30 secondes pour que tu me répondes. Alors, de quelle couleur est le sang d'une pieuvre à ton avis? Et les réponses c'est... Rouge, noir, bleu, vert. Rouge, noir, bleu ou vert? De quelle couleur est le sang d'une pieuvre? Ouais, vite, 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 vite. 8 secondes. Vert.
6 secondes. Bleu. Il reste des noirs. Bleu noir. Ah, mais... Alors, Luc, est-ce que ça t'a aidé? Non. Dédicace à Alba. Oh putain. Alors attends, bleu ou noir? Rouge, noir, bleu ou vert? Du champ bleu. Elle m'a dit bleu et son mec il était à côté, il a dit noir. Bon allez, noir. Noir. Ouais, je fais confiance à lui, tu sais. Ça va être bleu. Et même pas Alba. Allez. Eh bah t'aurais dû écouter Alba. C'est bleu. Oui, ah, le sang du cadre est bleu. C'est le seul animal qui ne contient... Le sang ne contient pas d'hémoglobine. Et du coup, ce n'est pas la couleur rouge, c'est bleu. Bon bah lui, t'as perdu. Et bah voilà. Ah putain. Bon bah du coup le bonus c'était pas trop. Et bah Durand, bravo. Ouais des gars, bravo à toi. Et ouais, merci pour vos questions. Très bonne question, c'était vraiment chouette. Donc là faut que je pioche. Alors un cadeau. Alors le cadeau pour Enek Durand. Alors je vais venir devant hein. C'est une photo dédicacée de nous. Ah chouette. Et bah vas-y, on fait la photo. Et bah en direct. Et eh ben super. Voilà, voilà. Bon bah écoute, contacte-moi au plus vite par l'adresse mail qu'il y a dans la description pour qu'on puisse t'envoyer la photo dédicacée. Voilà, t'écris vraiment tes coordonnées pour qu'ils puissent t'envoyer la photo. Allez, on continue. Allez, question 2, 3. 3, c'est ça. Il est chaud. Oh purée. J'ai perdu, je suis chaud. Prochaine question, plus 2 réponses. Ouh là là, plus 2 réponses supplémentaires. Pour la prochaine question. Bon bah super, c'est moins cool ça mais ouais, vas-y. Vas-y, il faut quand même que t'aies une question. Vas-y, il est quoi? Il est complètement paumé. Allez. Allez, question 2. Alors c'est la question 5 de Kurt Kapp. Kurt Kapp. Pourquoi les grands requins blancs sont-ils gris et blancs? Pourquoi les grands requins blancs sont-ils gris et blancs? Genre, il y a une raison. Bien sûr qu'il y a une raison. Bah, allez, vas-y. Alors, il faut que j'intègre 2 réponses supplémentaires en même temps. Hein. Ah bah... Alors, pour attirer les femelles... Ouais... Parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes sur le requin, tout simplement. Pour se camoufler... Pour faire joli, à cause de ce qu'il mange, ou alors, ou à cause, tout simplement, de l'eau. À cause de l'eau. À cause de l'eau. Alors tu peux... Oh là, il y en a beaucoup là du coup. Alors, il y a à cause de l'eau, il y a à cause de ce qu'il mange, pour la repro, c'est ça hein? Alors, il y a pour faire joli, il y a pour... parce qu'il y a plusieurs couleurs différentes sur le requin, tout simplement. Hein. Ouais. Pour se camoufler, tout simplement. Attirer les femelles. En fonction de ce qu'il mange. À cause de l'eau, de la couleur de l'eau, tout simplement. Ah ah. Alors, déjà 4, je l'aurais pas trouvé. bah là, ça va être du pif. Hein. Du pif. Alors là, clairement, je vais dire... pour la reproduction. Il n'y a pas pour la reproduction. Ah merde. Pour attirer les femelles. Pour attirer les femelles, allez. Pour attirer les femelles. Ouais. Eh ben non, malheureusement, ce n'est pas ça. C'est tout simplement, quand on regarde le requin du dessous, il est clair pour se confondre avec le ciel. C'est pour se camoufler. Et quand on regarde vu du dessus, il est sombre pour se confondre avec le fond. Donc je me suis fait douiller. Exactement. Putain. Question. Cadeau. En fait, vous, j'aime bien quand il me plante. Franchement, répondez dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Hein. Alors. Bravo, Kurt Kapp. Kurt Kapp. Une photo d'un animal dédicacé. Ah. Voilà. Bon, bah voilà. Et bah super. En fait, pour le moment, je peux pas faire pire que la dernière fois. Non. Hein? La dernière fois, il avait... Bon, moi, je fais pareil. Voilà. Allez. Allez, on continue. On mélange. Vas-y.
Il est concentré, hein. Enfin, centré, non. Con, par contre. Alors, la question numéro 4. Question numéro 4. De Elfrix. Elfrix. Oui, on va dire quelle espèce marine est la plus venimeuse? Ah, quelle espèce marine est la plus venimeuse? Alors là. Alors, il y a la pieuvre à anneaux bleus, le tricot rayé, l'oursin fleur ou le poisson pierre. Alors, il y en a trois que je connais. Et le premier, c'est quoi? La pieuvre à anneaux bleus. Je sais même pas si elle existe. Ça, c'est impossible qu'il soit toi encore une de tes. Impossible, hein. La pieuvre à anneaux bleus. Alors, là, ensuite, il y a le tricot rayé. Le tricot rayé, je vois, c'est quoi? C'est plus un serpent. L'oursin fleur. L'oursin fleur. Alors, ou les... le poisson pierre. Le poisson pierre, j'en ai déjà vu. Et là, comme ça, honnêtement, le tricot rayé. Le tricot rayé? C'est la seule que je connais. C'est vrai? Ouais, donc peut-être. Eh ben bravo, Luc, c'est le tricot rayé. Okay, on est d'accord? Ah bah ouais. Oui, c'est ça, c'est un serpent. L'oursin fleur, ça existe vraiment? L'oursin fleur, oui, c'est un. Et la pieuvre à anneaux bleus? Exactement. Les quatre existent. Ah merde! Ouais, ouais. Et les quatre sont venimeux. Ok, bon bah en fait voilà. Et bah Kirkcap, voilà, bah t'as la réponse. Non, c'est pas Kirkcap, c'est Elfrix. Ah oui, c'est Elfrix. Très bonne question, moi, malheureusement, bah il a trouvé la réponse. Moi je suis content. Allez, et bah question numéro 5 et dernière question. Deux réponses en moins pour la prochaine question. Il y a moyen que j'ai trois bonnes réponses alors. Ah, va-t-il battre son record? Et t'imagines un jour je fais 5 sur 5? Eh, ça serait top. Et là, tu as qu'un truc, deux réponses en plus pour la prochaine. Non, la question numéro, donc c'est la 10. Le numéro 10, c'est Kiara, je crois. Kiara. Combien de temps un dauphin peut-il rester en apnée? Ah, alors, combien de temps un dauphin peut-il rester en apnée? Ouais, alors il n'y a que deux réponses, heureusement, j'en ai aucune idée. Alors je vais déjà donner les quatre. Alors, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes maximum. Du coup, je vais enlever deux mauvaises réponses. Il reste 5 minutes ou 15 minutes. Combien de temps un dauphin peut-il rester en apnée? Donc au maximum, hein. Ouais, parce que tu vois, tu les vois souvent, ils font comme ça là. Mais là, c'est quelques secondes. Maximum. Toi, on va vraiment à la limite du truc, quoi. Ah, à la limite. En fait, j'ai peur qu'il y ait un piège, tu sais, et qu'il soit 5. Mais un dauphin, quoi, je veux dire, des fois, il doit parcourir des... Ah bah, il peut parcourir des centaines de kilomètres, hein. Je dirais 15. 15 minutes? Alors il y a deux raisons pour laquelle dit ça. Je lui essaye de me douiller parce qu'il dit des fois des trucs pour me niquer, donc je fais pas attention quand même. On t'écoute, Luc. Je dis parce que des fois il doit chercher peut-être de la nourriture au fond comme ça. Et du coup ça met peut-être du temps. Oui, il va descendre à 30 000 mètres de profondeur, bien sûr. Hein. Oui, au fond. Non, franchement, à mon avis, là entre les deux, il y en a, il me dit 5 parce qu'on les voit souvent en surface. Mais le jeu me dit de dire 15 parce que si je dis pas 15 et qu'il y a 15, il m'en veut. Donc 15. 15 minutes. Et bien malheureusement, Luc a faux. C'est 5 minutes au grand maximum. J'aurais dû. Le dauphin ne peut pas vraiment retenir sa respiration. C'est vraiment de très courtes. Et du coup, comment ils font quand ils vont manger quelque chose de plus profond? Mais plus profond, alors eux ils mangent déjà des poissons qui sont presque à la surface. On les voit souvent sauter, mais voilà, il faut pas beaucoup d'apnée. Hein, je reviens. Eh ben non, malheureusement. Bon bah du coup, faut que je pioche un cadeau. Un cadeau. Pour, du coup j'étais, vous voyez dans mes papiers là, Kiara. 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 Bon, ton cadeau c'est... C'est... Ben, y a un cadeau qui vient de tomber. Dis-nous tout. Un reptile mag. Un reptile mag, bravo Kiara.
Voilà, bon bah... J'espère que les cadeaux vous auront plu quand même, hein. On a essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Exactement. Bon, on vous donne tout de suite le prochain sujet, pour qui sortira... Je voulais chercher une coupe, par exemple, j'ai eu 3 bonnes réponses. Ah, mais... Non, attends, j'en ai combien? 2? Non, t'as eu 2 bonnes réponses. Ah, merde. 3 mauvaises. Voilà. J'évolue de jour en jour, hein. Et bien sûr, le 3ème épisode d'Animalia sort le 3 décembre. 3 ouais, décembre. 3ème Animalia, 3 décembre. Ah, hein. Ça colle. Ah bon? Enfin, sur le thème, les animaux volants. Pour changer des animaux marins. Alors pas les animaux qui volent des choses. Hein. Exactement. Les animaux qui volent... Bon, la pie vole et vole. La pie vole. Non, tu sais même pas pourquoi. Ma fille, la pie, elle vole les bijoux. Exactement, tout voilà. Ce qui est illuminé, etc. Bon bref, bon. Des questions sur les animaux volants. Et moi j'ai vraiment un truc à dire, c'est qu'on vous remercie pour toutes vos questions. Parce que franchement... A chaque fois, il y a du... le concept commence. On essaye nous aussi de le faire évoluer. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et ben, franchement, vos questions, c'est vraiment très intéressant. Voilà. T'as juste un petit truc à dire par rapport aux questions nouveau? Bah, les questions que vous faites, c'est super. Les réponses, super. Après, voilà, ne mettez pas des questions. Là, c'était les animaux marins. Ne mettez pas quelle est la couleur d'un ver de terre. Je veux dire, un ver de terre ne fait pas partie des animaux marins. Ouais, alors il faut préciser, aquatique, etc. Vraiment, soyez plus clair, vraiment, mais sinon, rien à dire, vous êtes top. Et puis entre temps, bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Jean-Jean, eh ben, merci beaucoup. Bravo quand même. Et puis, ben, ouais, t'as vu, il évolue, je suis content. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, le pouce en l'air, vous pouvez vous abonner en cliquant. Attends, viens, on vise au milieu là. Là, quelque part, on fait le rond. Voilà, abonnez-vous ici. Voilà. Et regardez mes dernières vidéos. Allez, c'était Luc. Et Jonjon. De Chevet Farid. Ciao tout le monde.